Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter le mystérieux toboggan. L'histoire se passe à Hawkesbury, en 1955, au bas de la rivière, en bas de la côte. Il y a un quartier canadien-français coincé entre la côte et la grande usine de pâte et papier. Puis sur le lot voisin, qui est tout boisé, les enfants nomment la dame qui y vit l'étrange. Ils l'appellent l'étrange puis se font des peurs parce qu'ils ne savent pas ce qu'elle fait. Et lorsqu'ils la rencontrent en haut de la côte au dépanneur, elle est une femme de peu de mots. Ah, assez pour la craindre, assez pour l'appeler l'étrange. Ils n'ont pas pensé de l'appeler la fée, la magicienne ou la sorcière. Non, ça ne leur était pas venu dans l'idée. Alors, le chef du groupe, de tous les enfants d'élémentaire, Claude a dit, on va briser ça, cette peur-là. Je vais envoyer deux espions. Je vais aller surveiller qu'est-ce qu'elle fait. On va savoir à quoi elle s'occupe. Alors, il envoie le grand Jacques Leflanqué. Puis, il envoie aussi Denise Labolée. Alors, Labolée, là, ça veut dire qu'elle est belle intelligente. Alors, ils s'en vont là-bas. Puis, ils se cachent dans la forêt. Derrière, un gros chêne centenaire. Il y avait de la place pour se cacher à deux. Mais ils ont été surpris parce qu'ils ne la voyaient pas, l'étrange. Ils voyaient plutôt le silence, observaient les lieux. Tout à coup, ils ont été surpris. Un camion rouge a descendu la côte, s'est glissé sur le lot, avançait lentement dans le lot boisé. Et là, l'étrange est sorti et lui dit « Ah, bonjour, Nick! » Voilà! Au hangar! Nick, il a observé le conducteur, il avait les cheveux blancs, la barbe blanche, de tout rouge vêtu avec une tuque sur la tête. Et là, il s'est rendu au hangar et ouvrit les portes. Il a vu des sacs, des gros sacs et des objets de tout genre. Il a pris les objets libres d'abord, toutes des raquettes tissées, tressées, qu'il a placées dans son camion. Et là, l'étrange a dit, Nick, ça c'est pour toute la famille, là, de toutes les grandeurs. Ah, oh, 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 merci. Et puis là, il vient pour prendre des chaises tissées en babiche qu'il met dans le fond de son camion. Puis, oublie pas, Nick, le sac rouge pour les enfants. Alors, Nick, il fait, oh, oh, c'est pesant. Et il se voûte le dos et met le sac sur son dos pendant que l'étrange lui dit, ce sont des sculptures, des jouets pour enfants. Et il est bien lourd, ce sac de cadeaux. N'oublie pas le sac vert, c'est pour la famille, pour la maman et le papa. J'ai tissé des chemises, des nappes, des napperons, des rideaux, tout, et des catalogues pour que tout le monde soit au chaud. Oh, il est bien lourd, ce sac-là. Il le dépose dans son camion. Et là, le sac grenat. Oh, il est un peu plus léger. Oui, mais il est bien rempli quand même. Ce sont les jouets pour les enfants, la musique, des tambours et des flûtes de roseaux. Ah, oh, 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 merci mon ami. Et il repart en envoyant la main. Et pendant ce temps-là, les espions se retenaient leur surprise. C'est le Père Noël! Elle est amie avec le Père Noël! Elle n'est pas étrange! Elle est une magicienne, elle est une fée! Elle est peut-être le lutin de Noël! Elle fabrique des cadeaux! Ah! Oh, extraordinaire! Ils partent à la course, remontent la pente et s'en vont voir Claude et tous les amis de la bande. Et on dit, vous ne croirez pas! On a vu le Père Noël! Le Père Noël, Claude. Voyons, le Père Noël, Jean Leflanqué. Je te dis, on l'appelle Nick, dit Denise Labolée. Puis Nick, c'est bien Saint-Nicolas, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. On ne l'appelle pas Père Noël, on l'appelle Saint-Nicolas. C'est vrai. Alors, vous avez vu le Père Noël. Est-ce qu'on peut aller le voir? Non, il est reparti. Ah, je lui aurais demandé, dit Claude, un beau toboggan pour pouvoir aller glisser. J'aimerais ça, ces traînes sauvages-là, j'aimerais ça.
Et puis, mais on aurait pu gagner la course cet hiver mieux équipés au lieu de glisser avec nos boîtes de carton. On se rend jamais assez loin, puis ils nous tassent sur les côtés. Puis la meilleure piste est pour les meilleurs instruments de glisse. Ah, j'aurais dû lui demander. Mais Jean les flanqué et dit, mais le Père Noël a tout apporté sauf une traîne sauvage. Ah oui, laquelle? Il dit, sur la véranda, elle est plus haute. Plus haute, aussi haut que le toit, elle a 7 places. 7 places! Incroyable! Denise Dajoli le rappelle, et avec ça, on gagnerait toutes les courses. Dit Claude. Wow! Mais comment aller le lui demander? La traîne sauvage, on l'a espionnée. Si elle est l'amie du Père Noël, elle est magicienne, elle connaît tout. Elle va se fâcher si on s'approche, elle va nous transformer en vieux crapaud. Qu'est-ce qu'on va faire? Luc! Luc! Dit Ricky, le tout sauteux. Luc! Luc, c'est le fils de cette dame-là. Et il est dans ma classe de première année. Je le connais. On pourrait demander à Luc de venir glisser avec nous. Mais tu as raison, Ricky! C'est une belle idée! Et le lendemain, Luc et Ricky, à la sortie des classes, furent entourés par toute la bande de petits Canadiens français qui vivaient au bas de la côte. Il dit, ne crains rien, Luc, je suis Claude, et je suis bienveillant envers tous et chacun. Et Luc resta impassible. Il l'écoutait. Mais il savait qui il était parce que Ricky en avait parlé de lui. Il dit, écoute, viendrais-tu glisser avec nous cet hiver? On pourrait peut-être gagner nos courses et avoir le droit de glisser au plein centre de la pente. Pourvu que tu apportes, et on va être franc, ta traîne sauvage avec toi. Luc ne répondit pas. Il réfléchissait. Mais alors, qu'est-ce que t'en penses? Insistent les enfants. Et Luc dit, faudrait demander la permission à ma mère, parce que c'est mon grand-père et ma mère qui l'ont construit. Et moi, j'ai pas le droit d'utiliser le toboggan. Il est magique. Ricky, magique le toboggan? Ah, il faut y aller, Claude, il faut aller voir sa mère. Absolument. Mais c'est quoi un toboggan, comme tu dis? Et il dit, c'est notre invention, nous, les Autochtones, c'est nous qui avons inventé cette manière de transporter en hiver des objets lourds. Puis nous, les enfants, on aime bien s'en servir pour déballer les pentes avec. On s'amuse beaucoup. Et pas mal tous les enfants en ont, mais j'apprends que vous n'en avez pas. Alors, si vous voulez venir rencontrer ma mère, je vais vous présenter. Et à la file indienne, ils ont descendu le bas de la côte. Ils ont rencontré la maman. Il n'y avait plus trop peur, là. La maman les accueille avec un sourire. Il dit, maman, je te présente Claude, le chef de tout ce groupe-là qui m'invite à aller glisser. Et Claude, je te présente ma maman, Mais Agile. Ah, oh, enchantée, Mais Agile. Alors, il a expliqué pourquoi il voulait emprunter le toboggan. Et Mais Agile répondit, je crois pas que je vais pouvoir mettre de l'utiliser. Ah oh non, pourquoi? Mais regardez, il y a 7 places, ce toboggan-là, 7 places. D'après mon calcul, là, vous êtes 15 en tout, mon fils inclus. Ça va faire de la chicane. Ah, oh, Claude dit, non. Chez nous, là, on est tous ici des familles d'enfants de familles nombreuses. On est habitué de partager, échanger, passer son tour, prêter le tour à l'autre. Je vous garantis que les premiers à glisser, ce sera les tout petits, Luc inclus. Et puis, il y en aura 2 grands dans le bas de la côte qui vont les attendre, puis 2 grands dans le milieu de la côte qui vont les aider, puis 2 autres grands en haut qui vont protéger la piste. Puis tout ça parce qu'un toboggan de cette place, ça doit être difficile à remonter, ça doit être pesant. Alors, on va passer notre tour, on va faciliter les jeunes qui glissent, puis après, ça sera notre tour. Ah! Bien alors, dans ce cas-là, échange, partage, je suis d'accord. Quel me donnerais-tu en échange pour l'utiliser? Mais il dit, Claude dit, on n'a pas un sou vaillant, on est pauvre, on n'a rien du tout. Ah, oh, mais Agile dit,
vous avez certainement quelques talents. Oh oui, oui, on sait chanter, n'est-ce pas, les amis? Tout le monde dit, oui, oui, on sait chanter. Ah, mais et quel genre de chanson? Bien, il dit, on pourrait vous chanter « V'là le bon vent, v'là le joli vent ». Vous savez l'histoire du prince qui s'en va chassant, visa le canard noir, mais tua le canard blanc. Chez nous, dit l'insagile, on l'aurait jamais nommé chef du village, celui-là, c'est pas un bon chasseur. Mais j'aimerais ça connaître la fin de la chanson, savoir qu'est-ce qui arrive au prince. N'auriez-vous pas d'autres chansons à venir nous chanter sous les fenêtres de Noël, à la nuit de Noël? Et là, c'est Denise Dabonnet qui a voulu sauver la situation. Elle a dit, bien, il y a mon beau sapin roi des forêts. Ah, ça, oui, 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 dit Mince Agile, ça me fait plaisir. Donc, elle dit, je suis d'accord. Et là, elle dit aussi, on pourrait chanter le petit reine au nez rouge, si vous voulez. Parce que lui, il aide le Père Noël à livrer les cadeaux. Ah oui, ça aussi, j'aimerais bien l'avoir. Parce que c'est très important que les enfants aient leurs cadeaux. Très bien, j'accepte. Mais, vous le voulez, le toboggan pour l'hiver durant. Que pouvez-vous m'offrir d'autre en échange? Oh, mais, il n'y en a pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, Denise la volée pointe la fenêtre. Puis elle dit, regarde. Et là, il observe. Ah! Il a aperçu le monticule de copeaux de bois qui, les écorces que la compagnie jette, ne veut pas. Et ça sert de bois d'allumage pour allumer un bon feu le matin, puis en fin de la journée, quand on veut un bon petit feu rapide. Alors, il dit, la compagnie nous permet de ramasser ce bois d'allumage-là parce qu'eux autres le jettent de toute façon. Et on équipe toutes les maisons. Alors, on va venir vous en livrer l'hiver durant. Est-ce que ça fait votre affaire? Ah oui, ça, c'est marché conclu. Madame Mésagile, c'est le petit Ricky. Dites-nous en quoi il est magique, le toboggan. Est-ce que c'est le Père Noël qui lui a fait jeter un sort? Il dit oui, c'est grâce au Père Noël. Il est venu me voir, puis il m'a demandé que mon père et moi on construise le toboggan. Et puis il m'a remis une corde spéciale, c'est celle qui sert à tenir les guides des reines qui s'envolent dans le ciel très vite. Puis il dit avec ces cordes-là, là, ils vont gagner toutes les courses. Puis il dit, je veux un long toboggan de 7 places parce que les jeunes vont apprendre le partage, l'échange et aussi de la sagesse. Ils vont gagner en sagesse. Ah! Puis elle dit, vous pourrez aller glisser, vous allez gagner toutes les courses que vous voulez. Et comme de fait, l'hiver durant, ils ont pu glisser à volonté et garder la piste du centre, juste pour eux. Pendant un bon bout de temps, jusqu'au moment où Claude a dit, nous, on en a souffert de ne pas partager la piste du centre. Alors, on va prêter aussi le toboggan, puis on va inviter les autres à s'asseoir à tour de rôle avec des nôtres dans le toboggan. Puis, tout le monde va pouvoir apprécier le centre de la piste. Ah! Le Père Noël l'avait prédit qu'il gagnerait en sagesse. L'important n'est pas toujours de gagner. Et la nuit de Noël, venue, ils sont venus chanter à la fenêtre de Mains Agile et de Luc et ils ont fait la tournée de tous les autres du quartier pour par la suite arriver à découvrir, avant de rentrer à la maison, un cadeau sur le porche de la porte. Et il était à chacun, mais personne n'avait vu quiconque venir le livrer et on ne savait pas de qui venait le cadeau. Les années ont passé, ils ont grandi et les jeunes, maintenant, avaient terminé leur étude secondaire et s'en allaient au collège ou à l'université. Alors, Mains Agile les a invités juste avant leur départ d'automne. Elle leur a offert une belle veste et elle avait cousu des franges. Les franges qui venaient de la corde magique. Elle a dit, avec ça, vous pourrez ouvrir vos bras et vous deviendrez des aigles. Vous volerez loin. Vous verrez loin, vous protégerez les vôtres et vous verrez à prendre soin de votre communauté là où vous vous établirez. Et c'est ainsi que les jeunes,
avec les années, on peut aider dans leur propre communauté parce qu'ils sont devenus des leaders dans leur milieu. Ils ont réussi leurs études. Ils n'ont jamais eu peur de rien. L'aigle les accompagnait. Et à chaque nuit de Noël, il y avait toujours un cadeau qui les attendait sur le pas de la porte. Oh, 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 oh! Joyeux Noël, les amis! Bonnes vacances des fêtes! Bonjour les amis, je vais vous parler du bal céleste. Ce bal céleste a eu lieu à un moment très particulier, au moment où des planètes étaient en conflit. Planète mauve surtout, et je vous présente planète turquoise. Les deux planètes vivaient l'une près de l'autre, et la personnalité de mauve, c'était qu'elle disait « Être premier dans tout vaut mieux que d'être des rien du tout. » Et Mauve excellait en athlétisme, en sport, et elle s'amusait à envoyer des invitations à toutes les planètes environnantes pour dire « Venez compétitionner contre moi. » Et chaque fois, c'est Mauve qui gagnait avec ses athlètes. Et elle disait, je suis la meilleure, vaut mieux être premier avant tout que d'être des rien du tout. Et là, elle offrait en contrepartie aux perdants, si vous ne voulez pas être des perdants, vous devriez aborder nos couleurs. Si vous acceptez de prendre nos couleurs, nous allons aller faire du développement chez vous. Et on va vous faire placer des installations sportives de tout genre. Et on va vous fournir les entraîneurs et votre population va devenir de bons athlètes. Et ainsi, elle avait raison. Elle, en effet, à chaque endroit où elle allait offrir les services en sport et en développement du sport, la population était en meilleure condition physique. Toutefois, dans l'univers, les couleurs d'identité de chacune des planètes disparaissait et on nous voyait presque du mauve, partout, sauf pour Turquoise. Turquoise ne relevait jamais les défis, les invitations de Mauve et ça l'offusquait parce que Mauve, elle, insistait à ce que les étoiles éclairent elle, la première. Et elle a demandé aux étoiles, s'il vous plaît, éclairez que ma planète et mes consœurs de même couleur, et surtout ignorer Turquoise. Mais les étoiles ont dit, non, notre responsabilité, c'est nous les feux de circulation dans l'espace, hein? Et puis on doit éclairer partout les deux planètes. Mauve était insultée de se faire refuser, elle la première, elle exigeait, à chaque fois qu'elle allait à quelque part sur une autre planète, qu'on lui déroule le tapis rouge. Et ça, les planètes l'acceptaient. Ils reconnaissaient son excellence dans le domaine sportif. Mais ils se souvenaient que Planète Turquoise disait, surtout dans sa devise, « Diversité, notre durabilité, notre épanouissement. » Donc, elle pensait différemment. Elle pensait que c'était important que chacun porte ses couleurs et sa culture. Alors, Mauve se choquait. Puis quand elle se choque, là, la Terre tremble. Oui, elle tremble, sa planète. Mais après ça, elle a insisté encore. Éclairez que moi, s'il vous plaît. Oubliez les autres planètes, mais éclairez-moi, c'est moi la première. Mais les étoiles ont dit, non, non, nous avons une responsabilité. Il y a des voyageurs intergalactiques. Ils ont besoin de nos feux de circulation. C'est important qu'ils savent trouver les autres planètes aussi. Alors là, elle dit, moi, Mauve s'est choquée encore une fois. Elle dit, oh, ben là, vous allez voir, essayez donc voir d'être à deux places en même temps. Et là, elle a décidé de se déplacer. Alors Mauve a pris sa planète. Et au lieu de juste circuler comme ça, elle dit, je vais augmenter mon étendue.
je vais augmenter mon étendue d'ellipse. Et là, les étoiles se sont mises à s'étirer pour satisfaire turquoise et satisfaire mauve. Puis ils s'étiraient, puis ils tenaient bon. Alors moi, on a dit, oh, vous tenez bon comme ça? Ben, je vais vous montrer que je suis capable encore d'aller plus loin que ça. Et là, elle s'est partie, elle s'est la balancée, elle est sortie de son giron, elle a pris un grand territoire pour faire son ellipse, comme ça. Ah! Et là, les étoiles, ils s'étiraient leurs pointes, puis c'était difficile de contenter les deux. Puis plus elles s'étiraient, plus les points s'étiraient, plus les étoiles pâlissaient, plus elles blanchissaient. Et tout à coup, elles sont éclatées en mille miettes. Et Mose, bien bon pour vous, c'est ça, vous êtes des moins que rien, vous n'êtes que des particules d'étoiles et vous n'éclairez plus rien de toute façon. Mais là, le conseil de toutes les autres planètes se sont plaintes. Ils ont dit, Mauve, conseil des étoiles, Mauve est terrible. Elle est en désordre, elle est sortie de ses gonds et elle fait la destruction totale de nos étoiles. Et on a perdu nos voyageurs, retrouvé nos voyageurs. Alors, le conseil des étoiles a envoyé Mercure vérifier l'état de la situation, réaligner certaines étoiles dans le firmament et revenir. C'est ce qu'il a fait. Mais il est revenu après un dur labeur et avec son cheval Pégase, son cheval ailé. Et puis, il dit, regardez, je dois vous avouer vaincu, je n'ai pas retrouvé les voyageurs. Et c'est la désolation parce que Mauve continue de fracasser des étoiles, elle rebondit d'un endroit à l'autre, et si on l'approche, nous aussi on va éclater, on va disparaître. Elle est tellement dangereuse, conseil des étoiles, qu'il faudrait à notre tour la pulvériser. Oh! La pulvériser? Non. Turquoise a dit que la diversité est importante pour notre durabilité, pour tout le monde, pour l'équilibre de l'univers. Alors, une étoile a dit, mais alors sauvons la planète Mauve. Et l'autre étoile a dit, mais si on la sauve, il faudra qu'elle abolisse son caractère de colère. Il faut qu'elle efface ça de sa vie. Puis, il faudrait qu'elle accepte la différence des autres, les différentes cultures, puis les identités autres que la sienne. Qu'elle accepte ça aussi. Alors, oui, c'est des bonnes idées, dit la présidente du Conseil des étoiles. Mais elle dit, comment ça se fait que, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Parce que Mauve, on peut plus l'approcher. Et là, c'est les poussières d'étoiles qui ont dit, nous, si vous nous accordez 3 vœux, on a la solution. Ah oui? Que feriez-vous? Elle dit, quand Mercure nous a mis dans son sac, nous a ramassé quelques particules, on aurait pu se faire mal en tombant dans le fond du sac. Mais nous, on a découvert qu'on a une sorte d'élasticité. On a des amortisseurs. On ne s'est pas touché l'une et l'autre. Alors, on devient des coussins amortisseurs. Et si Mercure et Pégase veulent nous placer et rassembler toutes les particules poussiéreuses autour de la planète Mauve, on va tranquillement ratisser notre cercle. On va la stabiliser. Parce qu'elle ne peut plus nous calvériser plus que ça. Ah, bonne idée. Et quelle autre chose aimerais-tu? Bien, les 3 vœux, c'est qu'on aimerait que le Conseil des étoiles nous réserve un grand territoire pour toutes nous les particules pulvérisées. On a notre fonction, une nouvelle fonction maintenant. Puis on voudrait un nouveau nom, deuxièmement. On veut s'appeler la Voie lactée. Puis troisièmement, on voudrait que le Conseil des étoiles envoie des invitations à toutes les planètes, à Mauve et à Turquoise aussi, pour qu'ils viennent danser au bal céleste pour l'inauguration de notre nouveau territoire et aussi pour prendre le temps de se connaître et d'apprécier nos différences. Bonne idée, accordée. Et ainsi, Mercure partit avec le cheval ailé, rapporta et rassembla les étoiles, stabilisa Mauve, qui était très contente finalement de réaliser qu'elle pouvait s'installer dans son giron. Et elle dit, c'est vrai qu'on a besoin de plus petit que soi. C'est vrai que la grandeur d'une personne se vient avec les actions qu'on fait, beaucoup plus que selon sa corpulence. C'est vrai ça. Merci beaucoup.
Et là, il a reçu l'invitation et tout le monde s'est présenté au bal céleste. Et là, Maud a dit, c'est vrai que c'est moi la plus belle du bal, n'est-ce pas? Les délégués des autres planètes ont dit, on ne changera jamais Maud, elle sera toujours autre ma compétitrice, mais on aime son humour, on aime son esprit. Alors, les autres planètes l'ont invité à venir chez eux pour faire du développement d'infrastructures pour leurs installations sportives. Et la surprise, ça a été Turquoise qui a dit, Turquoise, viens compétitionner chez moi, avec moi, sur ma planète. Ah oui? Maud, enfin, tu veux compétitionner contre moi? Non, 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 Maud. Tu sais, quand on joue avec quelqu'un. Et quand on compétitionne avec des concurrents. Puis à la fin de la journée, on est tous bien contents d'avoir vécu une belle journée sportive. Ah, une autre manière de voir les choses, je comprends. Et depuis ce jour, les voyageurs et les délégués se sont mis à entonner une belle chanson, celle que les Terriens chantaient sur le pont d'Avignon. Ils l'ont adaptée pour rendre hommage à la Voie lactée. Sur cette Voie lactée, on y danse sur cette Voie lactée. On y danse en beauté, les messieurs font comme cela, les madames font comme ceci. Sur cette Voie lactée, on y danse sur cette Voie lactée, on y danse énormément. Et à ce moment-là, ils ont décidé qu'ils avaient eu une si belle fête, que tous les as allaient se réunir à nouveau à chaque semaine des quatre jeudis. Vous autres, les terriens, si vous allez la nuit observer le ciel, vous verrez bien cette couche laiteuse de la Voie lactée. Surveillez le firmament, car peut-être vous les surprendrez à se réunir pour le prochain bal céleste. Merci. Thank you.